Merci Jésus, que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est avec nous. Vous savez, il faut être des chrétiens spirituels remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Nous vivons par le Saint-Esprit. Si tu es chrétien et que tu ne vis pas par le Saint-Esprit, tu vas vivre une vie religieuse. Tu vas faire des choses qui sont dépourvues de la vie. C'est le Saint-Esprit qui apporte la vie. C'est le Saint-Esprit qui donne de pouvoir manifester la vie de Christ. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la vie de Christ. Alléluia. Nous avons besoin de sa plénitude. Regardez, quand Paul va arriver à Éphèse, je suis dans Actes chapitre 19, la Bible déclare que Paul arrive là et trouve des disciples. Et Paul leur pose la question, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» Vous pouvez lire ça dans Actes 19 à partir du verset 1. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» Et les disciples vont répondre à l'apôtre Paul disant, « Nous n'avons même pas entendu qu'il y existe un certain Saint-Esprit. » Korakata. Ils disent à l'apôtre Paul, « Nous n'avons même pas entendu. » Laisse-moi te lire ça rapidement. Acte 19, à partir du verset 1. C'est tellement important et capital. On n'est pas des religieux, on est des chrétiens. Et la vie chrétienne est une vie de relation. Si quelqu'un a trouvé, peut lire à partir du verset 1er. Acte 19. Acte 19, à partir du verset 1er. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? Quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il existe un Saint-Esprit. Ensuite, il dit, quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, le baptême de Jean. Alors Paul dit, baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui avait alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en lui, en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Puis ces paroles lui baptisaient au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul lui eut imposé les mains, il se souvint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. Merci, pasteur. Paul arrive à Éphèse. Paul trouve des disciples. Quand on dit disciples, c'est-à-dire c'est ceux qui suivent une discipline. En l'occurrence, ici, ils suivent Jésus. Et Paul leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi Paul leur pose la question? Je peux lire entre les lignes et comprendre que Paul sûrement a constaté la manière dont il vivait, la manière dont il faisait les choses de Dieu. Et Paul s'est rendu compte que ces gars-là, il leur manque quelque chose. Alléluia. Et il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? La question n'est pas anodine. Paul sait que sans le Saint-Esprit, vous êtes des disciples, mais vous n'allez pas faire des exploits. Vous n'allez pas faire ce que Jésus veut. Parce que quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous vivez selon la chair. Alléluia. Et ils disent, nous n'avons même pas entendu. Mais c'est grave. Qu'il existe un certain Saint-Esprit. On leur a prêché Jésus, mais on ne leur a pas donné le Saint-Esprit. Alors que nous sommes dans le temps de la dispensation de la grâce. Et dans cette saison-là, c'est le Saint-Esprit qui doit conduire toutes choses. C'est Jésus lui-même qui le dit. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais comment est-ce que tu vas vivre cette vérité si tu n'as pas le Saint-Esprit? Et Paul continue, il dit, mais les gars, c'est dangereux. Vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors Paul dit, alors, de quel baptême avez-vous été baptisé? Pourquoi Paul leur pose cette question-là? Parce que Paul sait que lorsqu'on est baptisé au nom de Jésus, on doit recevoir le Saint-Esprit. Amen. De quel baptême avez-vous été baptisé? Aujourd'hui, on vit, le Saint-Esprit-là, ce n'est pas notre affaire. On ne peut pas vivre sans lui. Et ils disent à Paul du baptême de Jean. Vous connaissez Jean, Jean-Baptiste, qui était dans les eaux du Jourdain. Ceux qui venaient à lui se faire baptiser. La Bible dit que c'est le baptême de repentance. Alors que celui de Jésus, baptisé au nom de Jésus, c'est le baptême pour le
salut. Alléluia. Quand tu te baptises au nom de Jésus, c'est pour le salut. Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Donc c'est au nom de Jésus. Donc Paul leur dit, les gars, le baptême des gens ne compte plus. Répartez dans les eaux. Ah, quel baptême tu as fait, toi? Répartez dans les eaux, les gars. Ils sont répartis dans les eaux. Ils ont été baptisés. On a lu, hein, c'est pas il a ça qui le dit. Ils ont été baptisés au nom de Jésus. Et lorsqu'ils sont sortis des eaux, baptisés, immersion, pas les gouttes sur ta tête, mais immersion, rentre dans l'eau totalement. Et quand ils sortent de là, la Bible dit, Paul leur imposait les mains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Il fut baptisé au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps, ils sont disciples, mais ils ne parlent pas en langue, mais ils ne prophétisent pas. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. Tu ne peux pas faire de switch spirituel, tu ne peux pas basculer à un autre palier si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller en eau profonde. Tu ne peux pas bouger si ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils croyaient en Jésus. Attention. Ils croyaient. C'est ce que la Bible dit. De quel baptême avez-vous été baptisé lorsque vous avez cru? Qui croyait? Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est la nouvelle naissance. Quand tu crois en Jésus, tu nais de nouveau. Mais ce n'est pas suffisant. Hein? Pour vivre maintenant les choses de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Après la régénération, il faut le Saint-Esprit. Ils étaient disciples. La Bible précise, ils étaient disciples. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Où en es-tu ce matin? Alléluia. Donc quand on dit qu'il faut prier, il faut prier en esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprends pas. Et l'un des signes visibles, même si aujourd'hui on essaie de caresser l'évangile dans le sens du poil, l'un des signes visibles dans la vie d'un croyant, que le Saint-Esprit est là, c'est le parler en langue. Il ne faut pas me dire le contraire. C'est un don de l'Esprit. Lisez toute la Bible. Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit se mettent à parler en langue. Ils prophétisent. Parce que le Saint-Esprit vient avec des dons. Celui qui donne les dons, les 9 ou les 12 dons, selon ton étude biblique. Dans Corinthiens, on en trouve 9. Si tu vas trouver Romains, tu en ajoutes, on en a 12. Mais les dons de l'Esprit, on retient 9. Qui les donne? C'est le Saint-Esprit. Oh, tu ne peux pas faire les choses de Dieu que par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas manifester de dons si ce n'est par le Saint-Esprit. As-tu été baptisé au nom de Jésus? Si c'est oui, tu dois manifester la puissance du Saint-Esprit. Ah oui, oui. Pour être un être spirituel. Parce que nous sommes dans un monde qui est d'abord spirituel. Et l'apôtre Paul dira même que notre combat n'est pas charnel, mais il est spirituel. Ce n'est pas avec des armes physiques que nous combattons. C'est des armes spirituelles. Et notre vie même, elle est spirituelle. Galates 5, 19, les œuvres de la chair ce sont. Mais Galates 5, 20, le 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit, quand il habite en toi, le fruit qu'il te donne, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui manque dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde ne le reçoit pas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la chair et du sang, mais du Saint-Esprit. C'est lui qui fait nous naître de nouveau. Baptisé dans le Saint-Esprit. Après ton baptême d'eau, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Et je m'arrête là pour te dire, il n'y a pas d'ordre. Par contre, tu peux recevoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Tu peux le recevoir après le baptême d'eau. Il n'y a pas un ordre obligatoire. Amen. Amen. Pierre a été dans la maison de Corneille. Lorsque Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Il n'avait pas encore été baptisé. Et sur ce, Pierre dit, mais si le Saint-Esprit est descendu, les gars, allez-y dans l'eau.
on va vous baptiser. Amen. Et le baptême est important. Amen. On n'a pas besoin de faire des cours de baptême pour entrer dans l'eau. Quand tu crois au Seigneur Jésus, faut pas attendre, va plonger dans l'eau. L'éunuque éthiopien l'a fait, dès qu'il a cru, Philippe l'a baptisé. Paul a baptisé le geôlier avec toute sa famille, la même nuit qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. Il ne faut pas te laisser distraire, il faut faire 3 mois de cours, 4 mois, tu vas mourir avant, est-ce que tu sais? Tu crois en Jésus, il va te faire baptiser. Amen. C'était sur cette parole-là de l'esprit que je voulais te partager. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.